was me on the screen. But I looked different, more real. And then I said, Enin Xis Xis Lennach. Did I talk backwards? Mais non, mais. Voilà. Ah bon, d'accord. Et la chaîne s'est réinitialisée. Ah, ça me saoule, je vois pas. Là, pour le coup, j'abandonne. Je vous avouerai, je suis démuni. Il y a ça là, je sais pas quel est le mot. Et ça sert à rien de brute force. C'est mal écrit. Pas comme ça, je suis pas débile. J'ai hésité s'il y avait un L ou deux L, mais parce que je sais pas écrire. F-A-M-I-L. I-Y. On est d'accord.
J'en sais rien. J'en sais rien, ça me saoule. Honnêtement, je suis en train de m'énerver là. Je suis en train de m'énerver, je sais que ça me. Il est éteint. Oui, c'est bien, allez. T'as rien à dire, t'as rien à me. Ça y est, je commence à péter un plomb. Écoutez, là je suis démuni, je vais. J'en sais rien. J'ai essayé de brute force une heure. J'ai essayé de brute force une heure, mais je sais que le brute force ne marche pas, donc c'est vraiment un désespoir de cause, là je sais. Je sais que ça sert à rien en plus ce que je suis en train de faire, mais. Ah! En plus, la jouabilité est pas ouf. Ah, ça me saoule! Hop. Non, ça sert à rien ce que je fais. Ça sert à rien, je sais que le brute force ne marche pas. Je sais que ça sert à rien. Sert à rien de brute force. Là, il attend un mot à la con, mais je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Essayer ça. Quatre heures dix ou 2 heures. Alors je vais d'abord essayer 2 heures. 2h40. Ça me peut rien se passer. Ça me peut rien se passer. Donc, je vais essayer 4h10. Non. Est-ce que j'ai mal lu et c'est 6 heures. Non plus. Ok, il y avait un 5 aussi. Putain, c'était ça. Ok. Alors, je vous explique. Hein. J'explique comment j'ai fait pour trouver ça. Je sais pas si vous avez réagi. Je sais que c'est très difficile de suivre parce que c'est très long. Mais...
Ça va même commencer à s'effacer du coup. Mais là, j'ai un 4 qui était souligné. Et là, un 2 ou un 5. Du coup, je me suis dit, ben, 4, 4h05, quelque chose, quoi. Donc voilà. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça. Donc, j'ai des allumettes. J'ai des allumettes et donc je peux allumer mon cigare. Un S. Un carré. Un Z. Spirale. Et il manque le dernier symbole. Y avait un Z. Il y avait un Z avant la spirale. Excusez-moi. Il y avait un Z avant la spirale. Adhésive. On avance, on avance. Six, six, neuf, hein. Channel 12. Channel 12. Ok, d'accord. Ben Channel 67. 67. A place of relaxation. A place to empty the mind. Reflect in the past. And the future. What? Je vais prendre ça en photo. Je vais prendre ça en photo. Là, il me dit apparemment de découper. Oh purée, d'accord, ok. 14 335. 14 335. Detective Vandermeer. Hello? I do hope you're enjoying your stay. Where am I? A place to
empty the mind. What? Be warned. Some find this place hard to leave. How do I get out? Look through the keyhole. Okay. Un rond, une croix. Visiblement, il est midi. Ah, bah oui, d'accord, ok. En fait, il est midi moins le quart. Ok. Enfin. Enfin, on va pouvoir ouvrir les putains de tiroirs. Ok. Oh 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 oh. On va s'amuser. Ah. Un mouchoir. Mouchoir, tu ne dis rien. Ok. Bon. On a récupéré le cigare allumé, mais on sait à quoi il sert. Ok. Alors, je pense qu'on s'en servira plus. Pareil, à mon avis, les ciseaux, c'est pas pour, pas pour maintenant. De même, les allumettes, on sait que, voilà, on sait que les allumettes dans les jeux Lake, voilà, ça peut être quelque chose. Alors, on va, chez résultat, changer la diapositive. Diapositive, diapositive. Non, j'ai dit diapositive. Allez. On est parti. Alors, c'est creepy. Mais je vois pas en quoi ça m'avance. Merde. Bon. J'ai besoin de faire une petite pause. Je vous reprends après. Ok, je suis de retour. Alors, on en était où? Alors. Le mouchoir. Je sais pas ce qu'il va là. Ah, piece of dress. Non, c'est un. Non, bon. Non. Ok. Donc ça, c'est une fausse route. C'est pas ce que je pensais. Le mouchoir. À quoi peut servir le mouchoir? Essuyer ce truc. J'en sais rien. Bon, allez. Ouh là 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 là.
Tu vois, c'est ouf. On a un Français là. Yann Becker. Immunologiste. Les autres en avaient pas, on est d'accord? Donc, dans A, il y a une spirale. Ok, alors ça c'est un clin d'œil parce qu'il est youtubeur et à mon avis il a fait de la publicité pour le jeu. C'est pas des donateurs ça quand même tout ça. Ah, ok, alors. Ok, il y a encore un youtubeur. Il y a un symbole comme ça. Elle ressemblait à Sorina, vous savez, la femme de JDG. On a des formes là-dedans, mais putain, si on doit se faire toutes les lettres de l'alphabet et tout, on va pas s'amuser, quoi. On a un indice, quelque chose? Ouais, là. Attendez, ça ce sont 5 lettres, ce sont 5. Soyez d'accord que ce truc-là c'est fini, hein? Il y en a combien? Il y en a 5. Putain, il y en a 5. J'ai la flemme de retenir, hein, je vous avouerai. Hop, allez, hop, téléphone, photo. Hein. Ça, au bout d'un moment, vous êtes gentil, mais voilà. Hein. En plus, ça scintille bien pour bien t'empêcher de prendre une photo. Alors. Allons-y, pour moi ça c'est un S. Ensuite on a le triangle barré. Celui-là. Après, alors soit on a ça, bah en fait on a ça, ça et ça. Non, alors c'est pas dans cet ordre-là. C'est d'abord le Z, puis le carré. Non. Alors. Dans ce cas, on va plutôt faire. En tout cas, ce sont ces symboles-là. Hein. Mais. Enfin, ce sont les symboles qu'il y a sur le truc. Du coup, on va essayer de faire ça comme ça. Non. Donc, ça ne change pas. Donc, plutôt. Ouais. Plutôt Z. Ensuite, on va essayer le S. Le carré comme ça et le T comme ça et ça n'a rien déclenché.
Ah, j'ai compris. Oh, l'ordre de merde. Oh, l'ordre de merde. Ok. C'était combien? 588, hein. C'est ça qui nous donne l'ordre. Donc le corbeau, le visage. Donc ça serait ce truc-là. Donc ça, Z, le triangle. Le carré et le visage à la fin. Attendez, parce que hop, voilà. Purée, c'est tordu, hein. C'est vraiment tordu, hein. Donc Z. Ensuite, on a dit c'est le triangle. Le carré et le S. Purée, quoi. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Clé du globe. Eh ben. Là y est, on a accès au bar. On va pouvoir saouler un petit peu. Qu'est-ce que. What? Start. Ok. Ok. Alors attendez, attendez. Ok. Donc start, donc on démarre de là, donc ça c'est le start. Ok. On passe visiblement par la gauche de la maison. Donc on arrive par là. Non. Attends, excusez-moi. Ah non, 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 puis le chat qui vient m'enquiquiner. Ah non, non, non. Non, non, non. Non, 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 c'est non. Allez, oust. Ah, hé, ah, là, 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 là. Bon. Du coup, ça a l'air d'être ça, ça. Puis ça. Ah, je passe par la forêt, puis je traverse. Ensuite, il y a un village. Il y a un village à ma gauche. Donc, je passe comme ça. Le théâtre est à ma droite, donc je passe comme ça. Maison et montagne, donc j'arrive ici. La route, la maison est à ma gauche. Donc là, je prends le bateau et j'ai trois rochers. Donc en fait, j'arrive sur ce rocher-là. J'ai le cube à gauche et les voyages à droite. Donc j'arrive ici. J'ai une rivière. Donc je passe par là.
Ok. Est-ce que j'ai fait fausse route? J'ai visiblement fait fausse route. Donc. C'est là que j'ai un doute en fait. Ah, d'accord, je pouvais supprimer une ligne, mais. Donc pour moi, c'est ça. Ok. C'est juste parce que j'avais oublié une étape au début. Cool. Article de journal. Ok. Il manque de l'eau. Faut que j'essaie de trouver de l'eau quelque part. Mais on progresse, on progresse, on progresse. Oui, evidence. Ah, c'est pas vrai, excusez-moi. Ah, excusez-moi. Voilà, bon, c'est pas grave. Hop. C'est un appel, voilà, c'est du travail. Alors. Oui, une trip touristine lake. Ok. Il nous manque un truc là. Le mouchoir peut-être. Non, 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 le mouchoir j'ai déjà essayé. Le mouchoir j'ai déjà essayé. On va remettre ça là parce que pour le moment j'ai du. Voilà, il y a une la diapo, je sais que pour le moment. Non, il voudra. Ah d'accord, il veut pas. Ok. Il considère que j'ai déjà plus la deuxième barre en fait. Ok, c'est pas grave. Ok, on y va, on y va. Alors, on avait besoin d'eau. On avançait. Hein. Alors, de l'eau. Où est-ce qu'on peut avoir ça? Ok. Il nous reste une dernière heure à trouver aussi. J'ai pas regardé en détail l'article, s'il y avait du détail dessus.
Oui, nous excusons, toujours un mental care. Finish in the puzzle, call the number below and say the word. And say the word. Compléter le puzzle. Parce que j'ai vu un pulse. Quelque part. Non, plus besoin de ça. Ici. Ok, donc tant que de toute façon j'ai pas mis d'eau ici, je vais pas pouvoir faire grand chose. Ça brûle bien, hein. Ça prend bien du temps pour brûler. Hein. Ça, je sais pas ce que c'est. Eh, c'était de l'eau. Eh ben, ça tombe très bien. Ok. Ah, d'accord. Ok. J'ai un crochet. Donc là j'ai un hameçon. Alors je sais pas trop à quoi m'a servi de libérer un papillon. Là, ok. Là. Œil de verre. On progresse. M'en douter. C'est-à-dire qu'il y en a un deuxième.
Bon, bah super. On a... On... Est-ce qu'il y a autre chose qui est affichée sur le... Ça, on l'avait, hein, le... J'ai pas essayé ça. 94 559. 94 559. On est d'accord, il n'y a que ça, hein. Oui, parce qu'en fait, les deux autres barres qui sont là-bas, elles indiquent juste où est-ce qu'il faut placer la feuille. Pour ça. On est de nouveau coincé dans cette histoire, quoi. Ah, ici c'est vide. Ah bah oui, ici il y avait rien. Ok, donc il y avait que, enfin il y avait rien. On a tout récupéré. Donc il y a que les dossiers ici. Mais j'ai l'impression que c'est des easter eggs tout ça. Ah mais d'accord, ok, en fait les dossiers sont carrément... ok. Est-ce qu'il faut qu'on... Qu'on parcourt tous les dossiers et qu'on note les caractères qu'on croise et peut-être que ça nous libérera un nouveau... Oh mais ça va être chiant! Ça va être long surtout. Et moi, j'ai pas le temps là. Dans 10 minutes, fin de tournage. Donc ça, c'est une possibilité. Ça, il y avait une photo dedans, mais c'est pas plus avantageux. Le mouchoir, je sais pas à quoi sert le mouchoir. Aucun moment j'ai besoin d'un mouchoir, enfin donc. Non, laisse-le là, ça. Qu'il y a un truc avec les... Même si ça a été énormément effacé, je peux encore voir des... Non, ça c'était pour avoir le code de la télé. Mais le mouchoir...
Bon. Ça, il y avait ça qui était accroché là, mais ça, je sais pas quoi en faire. On va retourner au canapé. Il y avait un truc de canapé là. Non. Non, c'était vraiment juste pour récupérer un fil, quoi. Ok. Cet oiseau, je sais pas quoi en faire, je sais pas à quoi il peut servir. Là, j'ai eu qu'un seul carré en bois. Et là, pareil, là, il y a... Ouais, il y a plus rien, quoi. Bon, bah allez, hein. On va devoir s'y attaquer, alors, hein. Parce que pour moi, c'est la seule chose qui, c'est la seule chose qui reste, que je n'ai pas fait. Du coup, parce qu'après, je vais réfléchir, mais est-ce qu'il y avait une autre chaîne de télé qu'on pouvait éventuellement visiter? Et elles sont passées où les étages? Les, ouais, elles sont là. Je suis bête. Okay. Bah allez, bah c'est parti, hein. L'avantage c'est qu'on reste apparemment au même. Ah bah non, on reste pas au même. Alors, on a un. Je rêve où c'est. Non, on est déjà dans les B en fait. Donc ok, donc dans les B, on a un. Donc une spirale. C, on a un carré, carré barré. Spirale, c'est barré. Spirale et carré. Ok, ensuite le triangle. Barré. Donc spirale, carré, triangle. C'est Link. De Link et Terracid. Je vous laisse regarder, hein. Si ça se trouve, il y a des gens que vous connaissez. Moi, je regarderais plutôt au montage. Laurent Barret. Ok. Et j'en suis à L. Donc déjà, on va retranscrire ça. On va retranscrire ça.
c'était bon pour le carré. Et le rond barré. Sauf qu'il n'y a pas de rond. Il n'y a pas de rond barré. Bon, je suis ennuyé, il n'y a pas de rond barré. On va partir du principe que c'est ce rond-là. J'en étais à L. Parce que, ouais, hein, je... Attendez, c'est creepy ça. Non, Karina, IT Queen. Allez, on. Il y a un autre carré barré là, dans les M. Et il y a un T. Zut, j'ai pas vu à quelle lettre j'en étais. C'est sûr que j'étais après M. Alors, je vais prendre le carré barré et un T. Non. Non plus. Donc ça a pas l'air d'être ça. Ça a l'air d'être de l'easter egg, le dossier là. Carré barré. Le T, on était à P. On a un T inversé dans les R. Vanderborn Laura. 10 mg Prozac. Eh ben putain.